Alors, mon inspiration, je la trouve dans la nature, dans des petites choses très ordinaires que tout le monde a vues, mais que j'espère faire redécouvrir. Et puis, l'autre partie de mon inspiration, c'est dans la manière de faire vivre les personnages, et c'est des sentiments d'amour, des sentiments d'humour, des sentiments de tristesse, de nostalgie. Alors, ces petits personnages que je fais sur des photos, au début, c'était un jeu que je m'amusais à faire pour moi. Donc je prenais des photos avec mon téléphone dans la nature, puis je dessinais par-dessus. Et ces photos, je les mettais sur mon blog, mais ça restait complètement personnel. Et un jour, une galerie à Paris m'a appelé pour me proposer de faire une exposition. Donc j'ai ressorti toutes mes anciennes photos, j'en ai fait beaucoup de nouvelles. Et il fallait que je leur trouve un nom. Et je voulais que ce soit qui vienne d'un pays où la nature ait beaucoup de caractère et où il y a une part de magie et de mystère, et j'ai pensé à l'Islande. Et du coup, je leur ai donné un nom islandais qui s'appelle Skuggi et qui veut dire les ombres. Voilà, c'est des petits personnages noirs qui sont juste des silhouettes. Et je trouve que c'était leur nom qui éclaire la lumière.